طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا الحمد لله لله دا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشكر الله عز وجل الذي جمعنا في بيته لذكره ولطاعته، ونسأله جل جلاله أن يرزقنا العمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فسنتكلم إن شاء الله عز وجل في هذه الخطبة على موضوع مهم فيما يتعلق بيوم العيد. Donc nous allons parler aujourd'hui, inshallah, d'un sujet très important concernant le jour de l'Eid qui approche. وقد ورد في الحديث أن في معنى الحديث أن أهم عبادة وأفضل عبادة تفعل في هذا اليوم المبارك الذي هو يوم العيد هي الأضحية لله عز وجل. Donc il a été rapporté dans un hadith, dans le sens du hadith, que la meilleure adoration qui est faite le jour de l'Eid, c'est le sacrifice pour Allah Azza wa Jal. فلذلك أفردنا لهذه العبادة العظيمة خطبة لنتكلم عن أحكامها وأحكام إجزائها عند الفقهاء وأهميتها في ديننا وشرعنا. Donc c'est pour ça que nous allons faire un discours autour des règles juridiques sur cette adoration qui est le sacrifice, al-udhiya, le sacrifice de l'Aïd, ainsi que son jugement islamique et son importance dans notre religion. فأولا حكمها فحكم الأضحية سنة هي سنة من سنن المسلمين. Son jugement islamique est que c'est une sunna. Une sunna, c'est-à-dire que c'est quelque chose de recommandé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait et n'a cessé de faire. فالسنه ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الامور المستحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بيده كبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر كما جاء في الحديث الصحيح. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a légiféré par ordre d'Allah azza wa jal al-udhiya, c'est-à-dire le sacrifice du jour de l'Aïd. Et lui-même, de sa propre main, a sacrifié et a égorgé deux moutons à cornes et deux moutons blancs. وسمى وكبر. Et il a dit Bismillah, Allahu Akbar, comme il est venu dans le hadith qui est authentique. وقال الله تعالى فصلي لربك وانحر. وجاء في تفسير هذه الآية فصلي لربك أي صلاة العيد وانحر أي الأضحية. Il est venu dans l'explication de ce verset فصلي لربك, c'est-à-dire la prière de l'Aïd. وانحر, c'est-à-dire le sacrifice du jour de l'Aïd. فهي سنة نعم من سنن المسلمين ومن سنن الأنبياء كذلك فقد جاء في قصة إبراهيم ما تعلمون أنه
أري في منامه ورأى في منامه أنه يذبح ابنه وكان ذلك أمرا من الله عز وجل لأن منام الأنبياء وحي ورؤيا الأنبياء في المنام وحي فكان ذلك أمر من الله عز وجل امتحانا لخليله ولنبيه ولرسوله إبراهيم عليه السلام حتى يمتحن إيمانه وحبه لله الخالص فاستسلم إبراهيم عليه السلام لأمر ربه واستسلم ابنه إسماعيل عليه السلام كذلك كما قال الله تعالى فلما أسلم وتله للجبين فلما أراد إبراهيم أن يذبح ابنه وقيل أنه أمر السكين على رقبته حالت صفيحة من نحاس بين رقبته والسكين فأبدل الله عز وجل إسماعيل بكبش نعم قد رعى في الجنة 40 خريفا فسن الله عز وجل لنبيه إبراهيم هذه السنة وهو ذبح هذا الكبش يوم العيد. Donc le récit est connu et ce récit est ce que le Ibrahim alayhi salam a vu en songe qu'il égorgeait son fils. Et les songes et les rêves des prophètes sont une révélation. Donc c'était un ordre d'Allah qu'il devait égorger son fils. Pourquoi ? Afin de l'éprouver dans sa foi. Afin que Ibrahim alayhi salam devienne Al-Khalil et devienne celui qui a devancé l'amour d'Allah Azzawajal à toute chose, même à l'amour de son fils. Et Ibrahim alayhi salam a alors répondu à l'appel de son Seigneur et s'est soumis totalement à l'ordre de son Seigneur, ainsi que son fils Ismaïl qui a accepté l'ordre d'Allah. Et lorsque Ibrahim a voulu égorger, et certains savants ont dit même qu'il a fait passer le couteau, mais une plaque de cuivre s'est placée entre la nuque et entre le couteau afin qu'il n'égorge pas, car Allah Azzawajal ne voulait pas que son fils meure, mais simplement éprouver son serviteur. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jibril alayhi salam avec un mouton qui était resté un certain temps au paradis, afin qu'il égorge ce mouton à la place de son fils. Et c'est resté, donc cette histoire et cette légifération d'égorger le mouton le jour de l'Aïd, Naam, est restée une sunna, est restée une tradition des prophètes et une tradition islamique. Donc c'est le jour du sacrifice du mouton, et non pas le jour du mouton comme certains le disent. فَالْأُضْحِيَةُ سُنَّةٌ كَمَا ذَكَرْنَا سُنَّةٌ وَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ الْقَادِرِ عَلَيْهَا مَالِيًا أَلَّا يَفْعَلُهَا. Cela ne veut pas dire que celui qui a la capacité financière d'acheter un mouton pour l'égorger ne va pas le faire ou va le délaisser. وَلِذَلِكَ قَالَ الْإِمَامُ مَالِكُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَا يَنْبَغِي لِقَادِرٍ عَلَيْهَا أَنْ يَتْرُكَهَا. C'est-à-dire celui qui peut financièrement acheter un mouton et le faire, ce n'est pas bien pour lui de ne pas le faire. وَلَا يَصِلُ ذَلِكَ إِلَى الْإِثْمِ. Sans arriver au péché, parce que ce n'est pas une obligation. فَالْأُضْحِيَةُ عِبَادَةٌ عَظِيمَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وهذه العبادة مقصودها إخلاص القلب لله عز وجل حينما يذبح العبد هذه الشاة أو هذه البهيمة لله عز وجل. Ce qui est voulu par cette adoration et par ce sacrifice, ce n'est pas la chair et la viande de cette bête, ce n'est pas le sang qui est versé, mais c'est bien la sincérité et l'intention sincère et le monothéisme pur et le culte exclusif qu'a le musulman dans son cœur au moment où il sacrifie cette bête pour Allah Azza wa Jalla. Donc ce qui est important, c'est la sincérité lorsque la personne va égorger cette bête pour Allah Azza wa Jalla et non pas pour autre qu'Allah. فَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. نعم لَنْ يَنَالَ اللَّهَ. Ce qui est important auprès d'Allah عَزَّ وَجَلَّ,
Ce n'est pas la chair de cette bête, ce n'est pas le sang. Voilà qui yana le taqwa minkum. C'est la piété de votre cœur. Votre piété au moment, ta piété et ta sincérité au moment où tu vas égorger cette bête pour Allah Azza wa Jal. Donc c'est une grande adoration et la plus grande adoration de ce jour qui est un jour sacré et qui est le jour de l'Aïd. فالأضحيه طبعا لها احكام فقهيه. Bien sûr, cette adoration a certaines, est entourée de règles juridiques qu'il faut respecter et on ne peut pas faire ce qu'on veut ni égorger ce qu'on veut comme bête ni à n'importe quel moment. فشروط الأضحيه أربعة. Donc les conditions de l'أضحية, نعم, les conditions de l'أضحية, elles sont au nombre de 4. نعم, elles sont au nombre de 4. فأولها أن تكون أن يكون الحيوان المذبوح من بهيمة الأنعام. Première chose, il faut absolument que cette bête qui va être égorgée pour Allah en ce jour fasse partie de ce qu'on appelle بهيمة الأنعام, c'est-à-dire des bestiaux. وهي أربع الإبل والبقر والماعز والضأن. والضأن يشمل الذكر والأنثى. نعم, أي الشاة والكبش. Donc quatre espèces d'animaux. Le chameau ou dromadaire, la vache ou le bœuf. نعم. Donc tous ces genres ou toutes espèces d'animaux, que ce soit des mâles ou des femelles. وكذلك الماعز, la chèvre. والضأن, c'est-à-dire le mouton. Que ce soit une brebis ou que ce soit un mouton mâle. فهذا كله يشمله بهيمة الأنعام وهذه المسألة كاد أن يكون إجماعا بين العلماء. C'est presque un consensus et unanimité des savants et la divergence dans cela n'est que très faible. فهو فيه خلاف لكن شاذ جدا. الشرط الثاني السن المعتبر. Deuxièmement, l'âge de cette bête que tu vas égorger. Donc il y a un âge qui est pris en considération dans la religion. وهو فيما يتعلق بالضأن concernant le mouton أن يكون ذا سنة. Il faut qu'il ait un an. وأباح بعض العلماء أن يكون ذا ستة أشهر فأكثر. Certains savants autorisés à partir de 6 mois. نعم. فأن يكون ذا سنة, qu'il ait un an. وأما الماعز فأن يكون ذا سنة وقد دخل في السنة الثانية دخولا بينا كشهر ونحوه. Deuxièmement, pour la brebis, qu'elle ait aussi un an, mais qu'elle soit déjà rentrée dans la deuxième année, et soit déjà bien rentrée dans la deuxième année, comme qu'elle ait un mois de plus qu'un an. Un an et un mois ou plus. وَأَمَّا الْبَقَرْ فَأَنْ يَكُونَ لِلْبَقَرَةِ ثَلَاثْ سَنَوَاتِ وَقَدْ دَخَلَتْ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ. Concernant la vache ou le bœuf, il faut qu'il ait 3 ans et qu'elle soit rentrée dans la quatrième année. وَأَمَّا الْإِبِلْ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهَا خَمْسَ سَنَوَاتِ. Il faut qu'elle ait 5 ans, plus, en rajoutant, le chameau, il faut qu'il ait 5 ans, et il faut qu'il soit rentré dans la 6e année. هذا ما يتعلق بالسن المعتبر عند العلماء. وطبعا الأفضل في الأضحية الضأن. Ce qui est préférable dans l'أضحية, c'est-à-dire le sacrifice de l'Aïd. Contrairement à l'hadi, qui est le sacrifice lors du pèlerinage, al-hajj, ce qui est préférable dans l'udhiyah, qui est le sacrifice de l'Aïd, c'est de sacrifier un mouton. فَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ. C'est préférable que le chameau et que la vache. لِأَنَّهَا سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Parce que c'est la tradition du prophète صلى الله عليه وسلم. Et c'est cela qui l'égorgeait le jour de l'Aïd. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَهُوَ الرَّاجِحُ. وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ أن تكون هذه البهيمة أن تكون أن لا يكون فيها مانع من موانع الإجزاء وعيب من العيوب التي تمنع الإجزاء. Troisième condition, il ne faut pas qu'il y ait dans cette bête qui est égorgée une chose qui va empêcher, c'est-à-dire un défaut physique qui va empêcher que la bête soit acceptée dans son sacrifice. وهذه العيوب فيه عدة من العيوب وعدد من العيوب وفيه أربع أجمع العلماء على عدم الإجزاء بها. Il y en a quatre de ces défauts où il y a une unanimité des savants et un consensus comme quoi que si cette bête a un de ces quatre défauts, la bête n'est pas acceptée dans le sacrifice.
وهي التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجزئ المريضة البين مرضها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا العوراء البين عورها، ولا العشفاء التي لا تنقي. Donc ces quatre. Premièrement, celle qui est malade d'une maladie qui est facilement visible. Donc même chose, si c'est une bête qui est devenue folle, c'est la même chose. Ça veut dire que c'est une maladie qui est facilement visible. Celle-là doit être écartée absolument. Sinon le sacrifice n'est pas accepté. Deuxièmement, la bête boiteuse. Celle qui boite, et dont ce défaut se voit aussi visiblement. Et ce défaut est aussi apparent. Cette bête doit être écartée absolument. وَكَذَلِكَ الْعَوْرَى الْبَيِّنُ عَوَرُهَا. Même chose pour la bête qui est borgne. Et dont son défaut est apparent et visible. Cette bête doit être écartée. Et quatrièmement, كَذَلِكَ الْعَشْفَى الَّتِي لَا تُنْقِي أَيَّ الْهَزِيلَ. La bête qui est trop faible et trop maigre. وَالَّتِي لَيْسَ لَهَا مُخٌ فِي عَظْمِهَا. Celle qui n'a plus de moelle dans les os et qui est beaucoup trop faible. Donc ces quatre, il faut absolument les écarter car il y a un consensus des savants que cette bête n'est pas acceptée dans le sacrifice. وذكر الفقهاء كذلك أنواعا أخرى فذكروا من المعيبة في البهيمة أن تكون مثلا صمعاء جدا أي أن تكون ويكون لها أذنان صغيرتان جدا. Si elle a des trop petites oreilles, قال الفقهاء elle doit être écartée car elle ne sera pas acceptée dans le sacrifice. وكذلك التي قطع منها جزء. Aussi si une bête est amputée. Si une bête est amputée, elle n'est pas acceptée dans le sacrifice. Sans parler de la castration, ça c'est autre chose. وكذلك مكسورة القرن إن أدمى. Même chose si la bête a des cornes, sauf que cette corne est coupée et il y a du sang qui va sortir de la corne. فهذا يدل على مرضها. Ça va montrer qu'elle est malade, donc elle n'est pas acceptée. وذكر الفقهاء كذلك البكماء أي التي لا صوت لها. Celle qui n'a plus de voix aussi n'est pas acceptée. وذكر الفقهاء كذلك البتراء وهي التي لا ذنب لها خلقة. Celle qui n'a pas de queue lorsqu'elle est née. Celle-là aussi n'est pas acceptée. وذكر الفقهاء مشقوقة الأذن أكثر من ثلث الأذن. Celle dont son oreille est déchirée, c'est-à-dire que plus du tiers de son oreille est déchirée. وذكر الفقهاء كذلك التي ذهب منها ثلث ذنبها أو أكثر. Celle dont le tiers de sa queue ou plus est parti. Donc toutes ces bêtes ne sont pas acceptées dans le sacrifice. وعموما ما دامت البهيمة بريئة من هذه العيوب فهو أفضل ومن العيوب عموما. Tant que la bête est meilleure, tant que la bête n'a pas de défaut, elle est meilleure auprès d'Allah عز وجل dans le sacrifice. نعم. فلذلك قال عبد الله بن عباس في تفسيره لقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله قال شعائر الله استحسانها واستسمانها. C'est-à-dire la bête, lorsque tu vas choisir la meilleure, celle qui a le moins de défauts possible. Wastismanuha est celle qui est la plus grasse. Tant qu'elle est plus grasse et qu'elle est plus chère et qu'elle a le moins de défauts possible, c'est préférable auprès d'Allah Azzawajal dans le sacrifice. واستحب العلماء كذلك أن يكون كل البهيمة والضأن أقرن أبيض ذكرا وأن يكون فحلا. Parmi quatre caractéristiques de la bête qui sont aussi recommandées cette fois-ci, c'est que ce soit un mâle, concernant le mouton, que ce soit un mâle. وكذلك أن يكون أقرن, que c'est une bête qui ait des cornes. أبيض, que ce soit un mouton qui soit blanc, ça c'est préférable aussi. وأن يكون فحلا غير خسي, et que ce soit pas un mâle qui soit castré. Toutes ces choses sont recommandées dans le sacrifice du mouton et des bêtes le jour de l'Aïd. والشرط الرابع هو الوقت. هذا شرط مهم جدا. Le temps. Quand est-ce que tu peux égorger et quand est-ce que tu peux faire ton sacrifice? فوقت جواز الذبح وجواز الأضحية وإجزائها من بعد صلاة العيد
ila akhir yawm ila akhir yawm athani min ayyam at-tashriq ay bi ghurub ash-shams min al-yawm athani min ayyam at-tashriq. Donc ce temps, c'est après la prière de l'Eid. Wujuban wa shartan, il faut absolument que la bête soit égorgée après la prière de l'Eid. S'il est égorgé avant la prière de l'Eid, le udhiya et le sacrifice n'est pas accepté. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي قتادة الأنصاري قال فمن ذبح قبل صلاة العيد فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. Donc là c'est un nas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, celui qui égorge sa bête avant la prière, il a égorgé pour lui-même. C'est-à-dire, c'est une bête simplement de viande et de chair, il pourra la manger lui et sa famille. Mais ce n'est pas le rite du sacrifice de l'Aïd. Et celui qui l'aura fait après la prière, certes son sacrifice sera complet, et il aura trouvé la sunna, sunna nil muslimin, c'est-à-dire la tradition des musulmans dans ce sacrifice. Il a al-yawm al-thani wa akhir al-yawm al-thani min ayyam al-tashriq, jusqu'au deuxième jour des jours de tashriq. Ayyam al-tashriq, thalatha. Les jours de Tashriq, ceux qui sont appelés jours de Tashriq, ils sont au nombre de trois. Et ce sont les trois jours qui succèdent le jour de l'Aïd. Donc c'est-à-dire que c'est le 11e jour, le 2e jour et le 13e jour du mois de Dhul-Hijjah. Ces jours-là sont appelés les jours de Tashriq. Nous on parle concernant que le sacrifice soit accepté, ce sont les deux premiers jours des jours de Tashriq. Donc le 11e jour et le 12e jour. Le troisième jour, c'est-à-dire le treizième jour du mois de Dhul-Hijjah, tu n'as pas le droit d'égorger ta bête pour le jour de, pour l'Aïd et de faire le Udhiya, et elle n'est pas acceptée si tu le fais le treizième jour de Dhul-Hijjah. Donc tu as donc trois jours pour égorger la bête. Le jour de l'Aïd, après la prière. Le onzième jour de Dhul-Hijjah, c'est-à-dire le lendemain de l'Aïd, et le surlendemain de l'Aïd, l'après-lendemain de l'Aïd, qui est le douzième jour de Dhul-Hijjah. ولا يكون الذبح الا نعم في النهار ولا يجوز ولا يجزئ ان يكون في الليل. Autre condition, il faut absolument que le sacrifice se fasse dans la journée. Et quand on dit dans la journée, فهو من طلوع الفجر الى غروب الشمس, c'est-à-dire de l'aurore, de la prière de l'fajr, de l'heure de la prière de l'fajr, c'est-à-dire l'aurore, jusqu'au coucher du soleil. فلا يجزئ ليلا. Si une personne égorge sa bête la nuit, son sacrifice n'est aussi pas accepté. Donc faites attention, la nuit dans la religion commence à partir du coucher du soleil, c'est-à-dire l'heure où rentre la prière de l'Maghrib. هذا ما يتعلق بالوقت. أما صفة الذبح فطبعا للذبح شروط عامة. Bien sûr, le fait d'égorger une bête dans les rites islamiques, il y a des conditions qu'il faut respecter. فلا بد من أهلية المذكي. Il faut que la personne qui égorge la bête soit musulmane. Musulmane ou quelqu'un des gens du livre, c'est-à-dire juif ou chrétien. Ça, c'est dans le fait d'égorger une bête en général. Mais pour le Udhiya, qui est le sacrifice du jour de l'Aïd, il faut que la personne soit musulmane. نعم. وأن يكون عاقلا ومميزا وقادرا على الذبح. Bien sûr, il faut que c'est quoi, quelqu'un qui soit doté de raison. Et quelqu'un, un enfant peut égorger, mais il faut qu'il ait l'âge de raison déjà. Il faut qu'il ait l'âge de raison et qu'il soit capable d'égorger la bête. Deuxièmement, at-tasmiya. At-tasmiya, c'est le fait de dire bismillah, au nom d'Allah, lorsque tu vas égorger cette bête. Fahada wajibun. Fahada wajibun. Min wajibat al-dhabh. Ça, c'est une obligation. Une obligation. La budda min dhikri smillah azza wa jal ala al-dhabh. Il faut absolument prononcer le nom d'Allah azza wa jal au moment où la personne égorge. Si la personne ne le fait pas exprès, le délaisse volontairement, cette bête devient une meïta, c'est-à-dire une bête morte que tu n'as pas le droit de manger. Et bien sûr, le sacrifice ne sera pas accepté. Naam. Amma law nasiyaha fala bas. Si par contre il a oublié de dire bismillah alors qu'il voulait le dire, par contre ce n'est pas grave et sa bête peut être mangée. Wa hadha qawlu jumhuri al-ulama, c'est la parole de la majorité des savants. Ash-shart ath-thalith an yakuna bimuhaddad tudbah al-hayawan bi yudbah al-hayawan bimuhaddad. Ça veut dire que la bête doit être égorgée avec un outil qui est aiguisé.
que ce soit un couteau ou autre chose, mais un outil qui soit aiguisé. Et un outil qui soit afwan, un outil qui soit tranchant. Un outil qui soit tranchant, ou al-afdal, et le préférable, c'est qu'il soit aiguisé, afin que la bête souffre le moins possible. وكذلك من شروط الذبح أن يكون القطع في الحلق. Que la personne qui va couper et qui va trancher, il faut qu'elle tranche dans la gorge. La budda أن يكون في الحلق, c'est-à-dire la gorge de l'animal. ولا بد أن يقطع الحلقوم والودجين. Et il faut absolument qu'il coupe trois veines. Les deux veines qui sont sur le côté de la gorge de la bête, c'est ce qu'on appelle al-wadajan, na'am, wa hiya al-irqan alladhani fi safhati al-unuq wa al-hulqum. Al-hulqum huwa majra an-nafs, c'est-à-dire c'est la veine jugulaire. Donc la veine jugulaire doit être coupée, ainsi que les deux veines qui se trouvent sur le côté de la gorge. Fa kullu hadha min shurut al-dhabh wa na'am. طبعا كذلك يشترط ان يكون الحيوان حيا عند الذبح. Il faut aussi absolument que la bête soit vivante et qu'on soit sûr qu'elle soit vivante au moment où on l'égorge. نعم. وعند الأضحية طبعا من سنن ومن مستحبات الأضحية ومن مستحبات الذبح وآدابها, parmi les comportements et les bonnes manières lorsqu'on égorge une bête. فأما الإبل فتنحر. الإبل, concernant le chameau, la personne va alors frapper au niveau de ce qu'on appelle al-labba, ou al-labba, c'est entre le torse et le cou, afin à ce moment-là, puis agiter, c'est de cette façon qu'on tue un chameau, pour qu'il meure la façon la plus vite. Ambal ranam, concernant la vache ou le mouton, fabid dabh, donc c'est le fait d'égorger comme on a cité, fayustahabu tawjihuha ila al-qibla, il est préférable de l'orienter, c'est-à-dire la bête, vers la qibla, vers la direction de la Mecque. وَأَيَّقُولَ بِسْمِ اللَّهِ أَلَّهُ أَكْبَرُ. Donc c'est une sunna aussi de dire Allahu Akbar, et de faire ça selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا وَأَنْ يَعْفُ عَنَّا إِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلِيهِ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه وسلم تسليما كثيرا. هذا ما يتعلق بأحكام الأضحية إجمالا وأحكام الذبح. Ça c'est concernant les règles juridiques autour de l'Udhiya, le sacrifice du jour de l'Aïd, et autour de la façon d'égorger dans le rite musulman. وأما ما يتعلق بيوم الأيد فكما تعلمون هو يوم عظيم ويوم مقدر عند الله عز وجل وله حرمة. C'est un jour sacré auprès d'Allah Azza wa Jalla et très important. وقد شرع الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم عبادة أخرى من أهم العبادات في هذا اليوم وهي صلاة العيد. Donc Allah Azza wa Jalla a légiféré dans ce jour qui est le jour de l'Aïd une adoration aussi très importante qui est la prière de l'Aïd. فصلاة العيد سنة مؤكدة عندنا المالكية فهي سنة مؤكدة ينبغي على المسلم أن يفعلها وأن يراعيها. Donc le musulman se doit de faire la prière de l'Aïd, et c'est une sunna mu'akkada, c'est-à-dire une sunna fortement recommandée le jour de l'Aïd. فلذلك ينبغي على كل من يعمل في هذا اليوم فسيكون يوم الثلاثاء. Le jour de l'Aïd sera le jour du mardi. فكل من يعمل في هذا اليوم ينبغي له إن استطاع نعم أن يأخذ يوم راحة في هذا اليوم حتى يعظم شعائر الله عز وجل نعم حتى يشعر في قلبه أنه يوم عظيم عند الله عز وجل وحتى يري غير المسلمين أن هذا اليوم عظيم عنده وعزيز عنده. هذا مهم جدا. Ça c'est très important pour les gens qui travaillent. Comme le jour de l'Eid tombera le mardi, essayez dans la mesure du possible de prendre un jour de congé pour ce jour qui est le mardi. Je ne parle même pas pour la prière, je parle simplement le fait de montrer, déjà de montrer à Allah Azza wa Jal que tu respectes ce jour, que ce jour pour toi a une importance, et deuxièmement montrer aux non-musulmans aussi que ce jour est important pour toi. Naam. Comme les chrétiens ont leur jour de congé pour leur fête religieuse, les juifs aussi ne vont pas travailler pour leur jour de fête, nous aussi les musulmans, et on doit être les premiers à montrer l'exemple dans notre jour
de fête, on n'a que deux jours de fête dans l'islam, dans l'année, dans ce jour de fête, on se doit, Inch'Allah Azzawajal, au mieux, je ne dis pas que c'est obligatoire religieusement, mais je dis que c'est au mieux de ne pas travailler. Et surtout concernant la prière, na'am, d'assister à la prière et à l'office, na'am, de l'Aïd et de la prière de l'Aïd dans la mosquée, Inch'Allah Azzawajal. هذا ما يتعلق بيوم العيد ويوم العيد عظيم كما قلنا فيشرع في هذا اليوم وفي أيام التشريق dans ce jour et dans les jours qui suivent qui sont les jours de التشريق يشرع فيه التكبير ويشرع فيه التكبير نعم donc il est recommandé de proclamer la grandeur d'Allah عز وجل dans ces jours نعم فكما ورد في السنة الذكر هو الله أكبر والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Wallahu akbar, wallahu akbar, walillahi alhamd. Donc de dire cela souvent dans ces quatre jours de l'Aïd, de le dire souvent, de le répéter à chaque moment si la personne le peut. Wa khassatan ba'da as-salawati al-maktouba. Et surtout, ce qui a été rapporté en plus, c'est à la suite et juste après les prières obligatoires. Fahiya ba'da khamsa asharata salata. Naam, après 15 prières. Donc à la suite de 15 prières, وَهِيَ مِنْ ذُهْرِ يَوْمِ الْعِيدِ إِلَى فَجْرِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. Donc entre la prière de Dhuhr du jour de l'Aïd jusqu'à la prière de l'Fajr du troisième jour des jours de Tashriq qui correspond au treizième jour du mois de Dhul-Hijja. Il est légiféré après la prière obligatoire, que tu fasses ta prière seule ou que tu fasses la prière derrière l'imam, de dire ce dhikr, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Wa la tansaw sawma yawmi Arafah. Et n'oubliez pas de jeûner, Inch'Allah Azzawajal. C'est recommandé de jeûner le jour de Arafah qui va tomber, Inch'Allah, le jour de jeudi. Favihi min takfiri dhunub. Il y a dans l'expiation de péché, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé et nous l'a cité. Concernant le jour de l'Aïd, il n'est pas autorisé de jeûner dans ce jour. Même pour les jours qui suivent le jour de l'Aïd, les trois jours qui suivent, il n'est pas autorisé de jeûner parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce sont des jours où on mange, où on boit et où on se rappelle d'Allah azza wa jal, où on fait le dhikr et on proclame la grandeur d'Allah azza wa jal. Naam. أما اليوم الثالث فهو مكروه واليومان الأولان من أيام التشريق فهو محرم فنسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا للأعمال الصالحة اللهم وفقنا للأعمال الصالحة اللهم ارض عنا اللهم وفقنا للإخلاص في القول والعمل اللهم وفقنا للإخلاص في كل أعمالنا اللهم تقبل منا عباداتنا اللهم اعف عن سيئاتنا اللهم سامحنا اللهم سامحنا اللهم اعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقبل منا توبتنا واعف عنا يا إله الأولين والآخرين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم احفظ أخواتنا اللهم احفظ أولادنا اللهم احفظ أزواجنا اللهم احفظنا من كيد الأشرار اللهم احفظنا من كيد الفجار اللهم احفظنا من كل من يريد الشر للإسلام وأهله برحمتك يا أكرم الأكرمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين عباد الله صلوا وسلموا على نبيكم ورسولكم صلى الله عليه وسلم فقد أمركم الله بهذا في كتابه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى الصلاة